Alors, en général, le format, déjà, il est un peu plus court. Et je trouve que l'avantage d'écrire pour le web, ou en tout cas que le projet, ou les projets de manière générale, soient mis sur Internet, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de barrière. On peut être vraiment libre, on peut être irrévérencieux dans le ton de l'écriture, dans ce qu'on filme. Alors, je ne dis pas qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, on peut vraiment s'exprimer. Et je pense que ouais, le maître mot, c'est la liberté. C'est une façon d'écrire différente parce qu'en web-série, dans l'absolu, on n'a pas toujours un producteur, enfin sur des choses indépendantes, etc. Ce qui est mon cas, j'avais personne au-dessus pour me dire attention, machin. Effectivement, plus c'est court, j'allais dire plus c'est court, plus c'est bon, mais ça dépend. Mais plus c'est court, mieux c'est sur le web. Je crois que quand on est créateur, on n'y pense pas vraiment, je crois, et on se dit qu'on va avoir des millions de dollars. Et donc on écrit plein de choses. Et ensuite, quand on décide de tourner, là il y a la réalité qui vient, et c'est là qu'on réécrit une deuxième fois ce qu'on a écrit une première fois, et avec plus ancré en fait dans la réalité, et donc dans la réalité surtout oui budgétaire. Mais je trouve que, et c'est aussi, je trouve que c'est là où les web-séries se rapprochent vachement finalement des courts-métrages. Maintenant on parle, il y a toujours des courts-métrages et il y a toujours des réalisateurs de courts-métrages, ça existe toujours, et puis il y a des festivals, etc. Mais je trouve qu'on parle un peu moins maintenant des courts-métrages et de plus en plus de tout ce qui est digital et web et tout ça. Mais je trouve que ça se rapproche parce que, d'une manière générale, la web série, c'est une carte de visite. Ça a très peu de budget comme étaient ou comme sont les courts-métrages. Et en même temps, moins on a d'argent, plus on est créatif. Donc je pense que c'est un bon truc. Duty free? Dites-moi, madame. Oui? Je vois qu'il n'y a plus de M16. Et si on vous prend une AK-47, vous mettez 2-3 grenades avec? Non, pas évident, parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là, en fait, au Kalachnikov, à moins 50. Ah, en revanche, j'ai un très très bon modèle. Le Last Étrangleur. Très très efficace. Toi, tu sais me parler, toi. Mon pied est trompé. Je suis bouillant depuis ce matin et j'ai envie de m'en faire. Ah, vas-y, régale-toi, Lino. Vas-y, vas-y. Vas-y. Dans l'absolu, moi, je voulais bosser avec des gens que j'apprécie, avec des gens que je connais. La plupart des guests, je les connais plus ou moins parce que je travaille en plateau télé aussi, donc ça me permet de les voir, de les rencontrer, etc. Moi, dans ma tête, en tout cas, c'est oui, ça peut aider parce qu'on se dit, il y a les fans, en tout cas, moi, me concernant, il y a les fans de Moussa Mascri qui vont venir, les fans de Joey Starr, les fans de Ruquier, et puis ça agrandit les gens qui peuvent le voir. Donc, pour moi, je trouve que c'est un avantage, mais après, je pense que quand on est dans la série digitale pure et dure, machin, c'est pas obligé. Je pense qu'en série digitale, c'est plus le côté concept et tout ça. Moi, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie qu'on s'amuse sur le tournage, et donc autant prendre des gens qu'on aime bien pour bosser. Sur le web, en web série, on a moins de moyens. Donc on ne peut pas avoir 50 personnes en scénario et puis 50 conseillers en réal et puis 50 directeurs artistiques, etc. parce qu'on n'a pas les budgets. Quand on est en indépendant et quand on n'est pas aidé, c'est ça aussi. On n'a pas forcément les budgets de prépa qu'il y a sur du long métrage ou qu'il y a sur des projets beaucoup plus importants. Donc il faut savoir se débrouiller, il faut savoir tout faire. Et puis, d'une manière générale, moi j'aime bien quand il y a quelqu'un qui va cadrer, je sais cadrer aussi. S'il y a quelqu'un qui cadre, au moins je sais quoi lui dire et comment lui parler. Donc je pense que de toute manière, et c'est très formateur pour ça, le web permet de faire plein de choses en même temps. Il faut faire attention de ne pas être dépassé. D'une manière générale, parce qu'à un moment donné, il y a l'écriture du scénario, ok, mais quand on est sur le plateau et qu'on est réal, on est réal et on ne fait pas d'assistanat réal et on ne fait pas de régie, etc. Donc quand on a l'habitude de tout faire, c'est ça qui est où il faut arriver à se cadrer, etc. Mais je pense que c'est bien et que c'est super formateur de plus ou moins tout gérer.